Bonjour à tous, je m'appelle Yann Rochdy, bienvenue en direct de la Révolution Culturelle. Aujourd'hui, je vous parle de ce livre Why We Sleep, Unlocking the Power of Sleep and Dreams de Matthew Walker. Donc, euh, excellent petit livre qui fait un petit peu peur, mais c'est ça. Fait qu'il y a, il y a une, une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que comme moi, probablement, et probablement plus que moi, parce que je suis un bon dormeur, là. Mais comme moi, vous, avez proba vous allez probablement comprendre que vous ne dormez pas assez. Et bonne nouvelle, à partir d'aujourd'hui, après ce podcast, vous allez probablement prendre plus le temps de comprendre c'est quoi votre cycle de sommeil, essayer de vous ajuster, parce que c'est très important, surtout dans le contexte actuel aujourd'hui. Donc, euh, Why We Sleep, un livre en quatre parties, euh, qui fait partie un peu de. Euh, ce que j'appelle ma, ma, mon enquête, ma recherche sur euh, la santé et le bien-être, un peu à la manière des Romains. Vous savez, je vous parle souvent de ça. Les, les autres, il y avait trois sciences de la santé. C'était la diététique, la médecine et l'économie. Et euh, là, ici, on parle de ça. On parle d'économie du sommeil. Euh, on parle de euh, comment on prend soin de notre corps euh, quand il y a des problèmes. Donc, la médecine aussi. Et euh, la diététique, c'est... Euh, très lié, vous allez le voir, à euh, votre sommeil. Et donc, un livre en quatre parties. Euh, la première partie, c'est euh, pour, pour, pour expliquer c'est quoi le sommeil. Deuxième partie, pourquoi c'est important le sommeil. Troisième partie, c'est euh, l'importance des rêves. Et euh, finalement, la dernière partie, c'est une partie vraiment plus de santé publique. Donc c'est quoi les. les... Euh, les effets de cette épidémie, parce qu'il s'agit bien d'une épidémie de euh, privation de sommeil, de manque de sommeil, de euh, d'insomnie, et euh, ça a un impact sur notre produit intérieur brut, ça a un impact sur la santé publique, ça, ça a un impact sur notre sur l'épidémie actuelle de COVID-19. Et donc, euh, première partie, chapitre 1, euh, To Sleep. Donc, euh, c'est quoi? Euh, un peu un, un entrée en bouche, là, ce chapitre-là, il explique, euh, Matthew Walker, que euh, un petit plus d'un tiers des adultes ont un déficit de sommeil chronique. Euh, ça, c'est en Occident. Euh, pas assez de sommeil, sommeil inadéquat en qualité ou un sommeil perturbé durant la nuit. Euh, normalement, une personne, ça prend environ 7 à 9 heures de sommeil Total, vous allez voir parce que c'est pas parce que vous, vous couchez à, mettons, à à minuit, vous, vous levez à 7 heures que vous avez vos 7 heures. Il y a euh, une différence, vous allez voir, c'est plus loin dans le, dans le podcast, je vais en parler. Euh, moins, si vous avez moins de sommeil que ça, ça va avoir un impact sur votre espérance de vie, surtout si c'est de manière chronique. Euh, manger, boire, se reproduire et dormir, donc, c'est un euh, produit essentiel dans ce qui est vivant. On a besoin de ça, tout ce qui est vivant. A, euh, va dormir pour... va avoir comme une... Euh, une manière différente de s'ajuster dans un laps de temps circonscrit pour faire un peu du recycling qu'on appelle, non? donc jeter les déchets et euh, faire un, un recalibrage du système de manière journalière parce que c'est lié au soleil. Et donc le sommeil... Euh, c'est euh, ces trois choses essentiellement. Là, il se passe de quoi dans le cerveau, il se passe de quoi dans le, avec les rêves et il se passe de quoi dans le corps. C'est lié, comme je vous ai dit, à la diète et aussi aux exercices. Et là, depuis début 2000, euh, Matthew Walker, dans le fond, à l'Université de Berkeley, et dans euh, le, Il était directeur. Il, il est directeur of the Center for Human Sleep Science. Ancien directeur de psychiatrie à l'université euh, Harvard. Donc, au début 2000, monsieur Walker, il, il a essayé de voir un peu c'est quoi qu'il y a comme étude au niveau du sommeil, essayer de comprendre ça au niveau des neurosciences. Et euh, il, a, il a vu qu'il n'y avait presque rien. Donc, euh, pendant deux décennies, il s'est tapé euh, beaucoup de recherches. Euh, donc, il en a fait de son bord et essayé de rassembler de la recherche. Ce livre-là, c'est vraiment magnifique au niveau de tout ça. Euh, donc, c'est un peu l'expérience qui, 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 qui explique à, à travers ce chapitre-là. Chapitre 2, caféine, jet lag et mélatonine. Donc, là, on, on rentre un peu, c'est quoi, quoi le sommeil? Qu'est-ce qu'il y a dans le sommeil? Il y a deux rythmes, deux rythmes essentiels à tout ce qui est vivant. Donc, euh, euh, on va avoir, euh, pour, pour les, euh, les, les humains en particulier, le premier rythme, c'est le rythme circardien. Donc, euh, tout ce qui est vivant a ça. Euh, le rythme circadien, c'est euh, votre horloge interne, dans le fond. Euh, c'est euh, généré même sans le soleil. C'est un peu plus long que 24 heures, en moyenne 24 heures et 15 minutes. C'est pour ça qu'on est un peu foqué tout le temps. Euh, ça part par le euh, chiasma optique et le nucléus qui est au-dessus de ça, le suprachiasmatique nucléus. Donc, c'est environ 20 000 euh, cellules sur les 100 milliards du cerveau. Euh, c'est votre horloge et euh, c'est euh, ce, ce petit, ce petit nucléus-là qui va sécréter euh, la mélatonine au début de votre nuit. Et euh, euh, dans le fond, chaque humain a un chronotype en particulier. Ça, ça veut dire que vous êtes plus matinal, plus vers la fin de la journée ou un peu entre les deux. Ça, c'est trois chronotypes différents. Euh, donc, les, les matinaux, c'est 40% de la population et les deux autres, c'est 30%. Pourquoi qu'on n'est pas tout le monde adapté à la même heure Parce que euh, de manière évolutionnaire, c'est euh, évolutif, je veux dire, c'est beaucoup euh, mieux euh, pour une tribu d'avoir des gens qui, qui dorment à des, 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 des moments différents que d'avoir tout le monde qui dort au même moment au niveau de la survie. Donc c'est une manière, euh, ça c'est la biologie évolutive qui permet de comprendre ça. Euh, donc c'est ça le, le nucléus en question fait une pression sur la glande pinéale qui est un petit peu à côté. La glande pinéale fait sécréter la mélatonine. Et euh, ça, c'est le, 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 le sleep timing qu'on appelle en anglais. Donc, le sleep timing, c'est euh, euh, comme ça que euh, durant votre sommeil, votre subconscient, votre inconscient, va garder en tête le, le, le temps de votre sommeil pour que vous vous réveillez quand vous êtes euh, rechargé. Euh, le jet lag, qu'est-ce que ça fait Ça l'empêche la sécrétion de la mélatonine, pour ça que vous êtes incapable de dormir. Et donc, les suppléments de mélatonine, ça peut aider pour ça, pour débuter le sleep timing durant votre nuit. Et euh, en général, à chaque jour de décalage horaire que vous êtes, euh, vous êtes capable de déplacer votre horloge interne de une heure seulement. Donc, si vous allez en Europe, c'est entre 5 et 7 heures, peut-être même 8 heures de décalage. Eh bien, ça va vous prendre une semaine environ, 5 7 jours pour vous remettre de ce décalage horaire. -là. Et c'est pire quand vous allez dans un sens comme dans l'autre parce que c'est à cause le, du sens de la rotation de la planète et euh, donc le deuxième processus qui est cyclique, c'est la pression euh, du sommeil euh, donc c'est euh, pour les humains, on a euh, une euh, L'adénosine, qui est euh, une molécule qui est sécrétée par notre organisme dans le cerveau. Et là, plus il y a d'adénosine dans la journée, plus vous êtes euh, proche de vous endormir. Donc, vous êtes de plus en plus fatigué, plus la journée avance. C'est à cause de cette, de cette molécule-là. Et euh, qu'est-ce que la caféine fait? Elle va se mettre au même récepteur que l'adénosine. Et c'est pour ça que quand vous prenez un café, bien, vous vous sentez un peu plus réveillé. ou pas endormi et le, donc le caffeine crash c'est quand il euh, y a plus assez de caféine pour euh, balancer l'effet de l'adénosine et là donc vous êtes euh, vous tombez de fatigue du, en, en quelques minutes euh, les deux processus sont distincts donc la pression sommeil et le rythme circadien mais ils ont un impact sur le même cycle de sommeil euh, la demi-vie de la caféine dans votre sang, c'est à peu près 7 heures. Ça veut dire que si vous prenez un café en après-midi, au début de votre nuit, vous allez encore avoir de la caféine en quantité dans votre sang. Donc, euh, moi, je me un lève tôt, je, je me couche tôt, donc je me, je me couche entre 8 heures et 10 heures. En, en général, il ne faut pas que je dépasse euh, 10, 10 heures, à peu près 9-10 heures le matin pour un café, sinon. Le début de ma nuit pourrait être affecté. Euh, quand vous êtes en privation de sommeil, donc durant votre nuit blanche, par exemple, à 5-6 heures du matin, des fois, vous vous sentez plus réveillé. Mais ça, c'est à cause du rythme circardien qui vient de revenir à votre journée, à la, la deuxième journée. Donc, vous êtes euh, dans votre tête, vous, un, vous êtes un peu comme euh, dans un nouveau début de journée. C'est pour ça que vous vous sentez comme ça. Et là, si vous voulez savoir vous avez, si vous avez un manque de sommeil chronique, euh, y a trois questions que vous pouvez vous poser. Première question, vous vous réveillez le matin. Est-ce que vers 10-11 heures, vous êtes fatigué? Si oui, ça veut dire que vous manquez de sommeil. Euh, Est-ce que, euh, une journée par exemple, vous n'avez plus de café dans, votre, euh, dans vos armoires le matin, vous vous en rendez compte? Est-ce que vous êtes capable de fonctionner? Euh, en avant-midi, sans ça. Si, euh, si oui, c'est bon, vous êtes correct. Sinon, ça veut dire que vous, êtes en, vous manquez de sommeil. Et euh, sans alarme, est-ce que vous dormiriez plus le matin? Si oui, ça veut dire que vous manquez de sommeil. Troisième chapitre, euh, définir et euh, générer le sommeil. Donc, c'est quoi le sommeil en général pour toutes les espèces? Euh, euh, on va, les espèces vivantes, là, on va avoir une position spéciale, et on va avoir une perte de tonalité des muscles, il euh, n'y aura pas de communication de réponse euh, à, à l'environnement autour d'elle. Euh, c'est un état qui est réversible, donc ce n'est pas l'anesthésie, par exemple. Euh, et c'est lié à un rythme interne, comme je vous ai dit, le rythme circardien il est interne, c'est pas... lié au soleil, oui, mais ce n'est pas à cause du soleil. Bon, vous savez, vous, euh, donc évolutionnairement, oui, évolutivement, oui. Ça, le soleil, c'est ce qui a causé ça, mais ce n'est pas le même processus. Euh, donc, qu'est-ce qui se passe au niveau universel quand on, on tombe en sommeil? Euh, le thalamus qui est dans le cerveau, c'est votre filtre. C'est là que tous les sens vont passer pour euh, comprendre, euh, générer l'état de conscience. Et donc, ce thalamus-là va. Pff, Va couper le passage à tous les influx sensitifs. Euh, il y a une distorsion du temps parce que le, le temps conscient n'est euh, plus pris en compte parce que le cortex préfrontal il va être shut down aussi. Et, euh, mais le temps reste catalogué dans votre inconscient. Troisième chose, il y a une, y a une dilatation du temps. Ça veut dire que euh, dans votre sommeil, le temps il a l'air un peu plus étendu. Ça, vous avez pensé. Passer plus de temps quand vous, euh, vous vous réveillez, en fait, vous avez dormi moins de temps que ça. Il y a deux types de sommeil, donc euh, c'est lié au mouvement des yeux quand vous dormez. Donc c'est le Rapid Eye Movement qui appelle ça le REM, euh, les mouvements rapides des yeux. Il a, donc il y a le sommeil non REM et le, le sommeil REM. C'est pas compliqué. Là. Le non REM, il y a quatre stages deux stages légers, deux stages euh, deep, là, euh, intense. Euh, et profond. Et euh, le REM, c'est REM. Et dans la nuit, on n'est pas euh, la moitié ci, la moitié ça. Ça change constamment durant votre nuit. Euh, un cycle normal, c'est 90 minutes. Et dans ce cycle-là, ça varie. Euh, et donc, au début de la nuit, on fait plus de non-REM et à la fin de la nuit, on fait plus de REM. Et plus la nuit avance, plus le sommeil est léger. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui se réveille facilement et que la qualité du sommeil est facilement affectée. Au, euh, le non-REM, c'est au début de la nuit et c'est là qu'il y a le transfert de mémoire de l'hippocampe à la mémoire profonde. Euh, il y a la destruction des euh, connexions neuronales inutiles. Donc tout ce que vous ne voulez pas vous rappeler, euh, comme par exemple il faisait chaud à 3 heures. Je m'en fous il euh, y a le renforcement des liens des mémoires nouvellement acquises et dans le REM, en plus de ça, il y a les rêves et un, un, les émotions qui sont passées en revue durant la journée. Ça, c'est dans le REM. C'est pour ça qu'il y a les rêves et il y a aussi une créa création de mémoires qui sont euh, plus... Euh, plus euh, euh, intégrative que juste se souvenir d'éléments particuliers, genre des, des, des mémoires qui encadrent, qui mettent en lien, intégrent d'autres savoirs et tout ça. ça. Je vais en parler à la troisième partie. Euh, chapitre 4. Ape beds, dinosaurs and napping with alpha brain. Donc, on va... Euh, dans ce chapitre-là, c'est plutôt euh, des informations liées aux animaux. Je vais, je vais essayer d'en parler moins... moins de manière moins intense. Là. En général, il y a des différences, il y a quelques différences entre les humains et les animaux. Euh, chaque espèce va développer aussi des différences en particulier. Il essaie de recadrer ça en quatre catégories. Donc, le, le, le temps de sommeil total va varier entre les espèces. Euh, en général, plus le cerveau est complexe, plus le sommeil est complexe et plus il y a de sommeil en durée. Ça est lié aussi à la diète, le statut prédateur ou proie, euh, le euh, réseau social de l'espèce, euh, le, euh, le rythme métabolique et euh, la complexité du système nerveux en général. Euh, deuxième chose que ça peut varier entre les espèces, la composition du sommeil, comme je vous ai dit, le non-REM, REM, REM euh, plus on est. Euh, Complexe, plus il y a de, 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 de sommeil complexe. Donc le, le non rem s'est développé en premier de manière évolutive et le REM est plus récent dans euh, l'évolution des espèces. Saviez-vous que, ça c'est bon pour les quiz, là, le, les familles euh, qui font ça autour de la table, là, euh, les espèces aquatiques dorment avec la moitié du cerveau. Euh, Ouvert, actif et l'autre moitié, moitié fermé, et euh, durant la nuit, euh, l'heure nuit, euh, ça switch l'autre cerveau dort, et euh, le premier euh, reprend et ça re-switch une coupe de fois. C'est un sommeil qui est vraiment plus complexe. Euh, et euh, donc, ils dorment en général, je pense que c'est même un petit peu plus, mais ils sont quand même un peu actifs. Fait que c'est bizarre. Euh... Quand on manque de sommeil, en, en premier, notre corps va euh, rattraper le sommeil en non-REM et ensuite, les nuits après, il va euh, revenir sur le REM. Euh, ça peut prendre, si vous avez, si vous avez une, nuit, une mauvaise nuit, nuit là, euh, ça peut euh, chier votre semaine au complet. Ça peut prendre jusqu'à euh, 4, 5, 6, 7 jours pour que votre euh, corps revienne en état normal. Troisième chose qui peut varier entre les espèces, c'est la manière qu'on va dormir. Par exemple, les humains, euh, à la base, on était des, euh, des primates qui dormaient dans les arbres, et euh, dans l'évolution humaine, dans, anthropologiquement, donc, on, a, on est arrivé au sol. On a commencé à dormir dans des endroits qui sont euh, plus renfermés, des grottes, euh, des, des huttes, tout ça. Et là, aujourd'hui, on dort dans une chambre. Ça a un effet sur notre corps et surtout ça a un effet quand on sort on dort en dehors de notre chambre. Donc quand on n'est pas dans un, un environnement qui est euh, dont on est habitué, ça va avoir un impact sur notre sommeil. Quatrième chose, c'est euh, les, euh, les patterns en particulier de certaines espèces qui vont se priver de sommeil de manière le, euh, décidée. Euh, donc, euh, en général, c'est dans des états de euh, famine ou de migration. Donc, les humains, on a développé une manière euh, totalement euh, euh, créative, innovante. On a créé une nouvelle manière de, de, de se priver de sommeil. Donc, on a décidé de s'inventer des ordinateurs qui nous envoient des rayons euh, lumineux dans les yeux jusqu'à 3 heures du matin pour rater notre nuit. Euh, donc, on a, on a créé nous-mêmes notre propre euh, pattern de privation de sommeil, euh, logique. Et euh, en général, les humains comme animaux, on, a, on aurait un sommeil biphasique qu'on appelle. Donc, on aurait une grosse nuit, 7-8 heures de sommeil, 9 pour les plus gros dormeurs. Et euh, en après-midi, on aurait une sieste de 30 minutes à 1 heure avant 3 heures de l'après-midi. Sinon, ça va chier votre euh, sommeil du soir. Euh, c'est pour ça que euh, dans certaines business, surtout méditerranéennes, dans les petites villes, euh, des vieilles villes, là, euh, il y a souvent des heures de euh, magasins où c'est euh, 9 à euh, 13 heures et euh, c'est fermé après ça et ça rouvre à euh, 15 à 21 heures. C'est à cause de ça, c'est parce que c'est... Petits boutiquiers-là euh, font leur sieste, c'est euh, dans leurs habitudes nationales, civilisationnelles. Et donc, ça a été, euh, on peut voir dans l'histoire de ces pays-là, euh, certains de ces pays-là ont euh, changé la pratique. Et à chaque fois que ça change de pratique, on voit au niveau de la, la santé publique des hausses de tous les problèmes de santé dont je vais vous parler plus tard dans l'émission. Donc, on peut dire, anthropologiquement parlant, que le sommeil est. excusez-moi. tree to ground re-engineering of sleep was a key trigger that rocketed homo sapiens to the top of evolution's lofty pyramid at least two features define human being relative to other primates i posit that both have been beneficially and causally shaped by the uh, end of sleep and specifically our intense degree of rem sleep. Relative to all other mammals. One, our degree of uh, sociocultural complexity. And two, our cognitive intelligence. Uh, our cognitive intelligence, REM sleep and the act of dreaming itself, lubricates both of these human traits. Donc, uh, le sommeil complexe qu'on a développé de manière évolutive. A augmenté la complexité socio-culturelle et euh, notre intelligence cognitive. Pourquoi? Parce que durant le sommeil, durant les rêves, on recalibre nos circuits euh, émotionnels dans le cerveau. Donc, on, est, euh, on se réveille le matin et on n'a plus le goût de se venger sur toutes les petites personnes qui ont piqué sur nous la, semaine, la journée d'avant. C'est pour ça que euh, je me rappelle souvent plus des gens qui me trollent sur Internet, parce que euh, je dors très bien en général. Euh, le REM Sleep, donc ça nous, le, 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 le sommeil avec, le, avec les, les rêves, les Rapid Eye Movement, euh, ça nous permet donc de euh, scaler up, donc d'augmenter de, de, la densité de population, de créer des plus grosses villes, plus grosses civilisations plus nombreuses, des plus grosses sociétés qui ont plus d'économies plus de croissance, plus d'innovation. Donc ça, c'est la deuxième chose. La créativité, euh, tout ce qui est cognitif, tout ce qui est euh, innovation, donc c'est boosté par le sommeil. Chapitre 5, ch uh, Changes in Sleep across the lifespan. Donc euh, le sommeil change euh, durant le développement et euh, jusqu'à votre mort. Euh, donc, euh, les fœtus et les bébés jusqu'à 4 ans vont dormir en sommeil polyphasique, donc ils vont dormir presque toute la journée en, pe en petits segments, donc euh, plusieurs heures à chaque fois. Euh, jusqu'à la fin de l'adolescence, il y a ce qu'on appelle la synaptogénèse. Il va en avoir aussi durant la, le, le, tout le reste de la vie, mais c'est surtout concentré à ces moments-là, donc durant le développement fœtal dans, dans l'utérus. Et euh, durant l'enfance, et ensuite de ça, euh, durant la dernière poussée de l'adolescence, euh, si à ces moments-là, clé de la synaptogénèse, il y a une baisse de, so de sommeil REM, il va avoir un impact sur la personne. Donc là, on le sait, ça a un impact dans l'autisme. On ne sait pas si c'est le manque de sommeil qui cause l'autisme ou l'autisme qui cause le manque de sommeil, mais c'est lié. Il y a plus d'études qui vont devoir être faites là-dessus. Donc, il y a une corrélation. On ne sait pas si c'est causalité. Euh, l'alcool euh, empêche le, le, d'avoir du, du sommeil REM. C'est pour ça que les femmes enceintes doivent avoir l'abstinence de l'alcool. Euh, à 4 ans, le rythme circardien est assez développé. Normalement, pour que l'enfant euh, dorme, il va dormir un peu plus qu'un un adulte, c'est certain encore. Euh, à l'adolescence, il se passe deux choses. Euh, le, le rythme shift. Il va, il va dormir plus tard que ses parents. Et euh, il y a un dernier remodeling au dans le cerveau, dans le les synapses, qui fait que le sommeil non REM est vraiment la clé pour faire en sorte d'avoir un, un, un adolescent qui va devenir mature. Si l'adolescent n'a pas de sommeil non REM, la maturation du cerveau ne se fait pas. Et euh, pourquoi les ados se couchent et se lèvent plus tard, c'est l'évolution euh, a fait en sorte que euh, les ados, les jeunes adultes, veulent socialiser. Et le moment de socialiser dans l'histoire anthropologique de l'humain, c'était quand les, les adultes dorment. Donc au début de la nuit. Et c'est pour ça que le matin, les ados sont comme Oh, le matin, parce qu'ils sont tôt, leur horloge. Circardienne, leur, leur cerveau n'est pas prêt. C'est pour ça que si vous avez des ados qui, ont, qui vont à l'école avant 9h, ça les tue assez facilement au niveau de, du sommeil. Euh, et là, il y a pire. Il y a beaucoup d'ados qui, un, vont prendre des boissons énergisantes ou du café, ou deux, qui vont avoir euh, on va penser qu'ils ont un trouble de déficit d'attention avec, avec, avec ou sans hyperactif euh, déficit d'attention euh, non, c'est trouble déficit, hyperactivité, avec ou sans déficit d'attention, en tout cas. Et DHD, là, ADHD. Donc, euh, on va croire que ces enfants-là sont en trouble d'hyperactivité, avec ou sans déficit d'attention, quand en fait, ils sont en trouble de sommeil. Et là, on va leur donner des amphétamines, donc du concerta, euh, du ritalin, tout ça. On va leur donner quelque chose qui les rend encore plus réveillés. Donc, ils vont encore plus déséquilibrer leur sommeil et donc ils vont encore plus causer le, le problème de base. Et ça n'a aucun sens. Ça, c'est la moitié. Euh, J'ai la statistique plus tard, là, je, vais la dire, je vais la redire. Là. Et euh, finalement, 40 ans et plus. Il se passe trois choses. Les 40 ans et plus, donc, euh, euh, une, ba une baisse de quantité et qualité du sommeil euh, un sommeil qui est euh, moins efficace. Parce qu'il y a une perte des neurones responsables du sommeil et euh, il y a une fragmentation du sommeil aussi. Il y a plus de réveil durant la nuit et euh, euh, l'horloge est un peu plus... Euh, il va régresser, ce qui va faire le, le sleep timing, là, ce qui va faire que le, la personne, plus qu'elle va vieillir, plus qu'elle va vouloir se lever tôt, même si elle a le même besoin du sommeil. Donc ça, c'est quelque chose qui souvent confusion les personnes âgées ils pensent qu'ils ont assez de sommeil parce qu'ils sont plus ils sont réveillés mais ils ont pas assez dormi pareil et donc pour pousser cette horloge là il faut éviter le matin de euh, d'aller dehors ou si vous allez dehors avec des lunettes de, so de, de soleil et euh, il faut aller dehors en fin d'après midi c'est là que vous allez pousser votre horloge avec la mél mélatonine euh, et finalement, c'est ça. c'est pas vrai que les, les personnes âgées ont besoin de moins de sommeil. C'est juste parce que leur horloge est, même, est moins efficace. Et donc, c'est plus facile d'être chroni, euh, chroniquement en déficit de sommeil. Deuxième partie, pourquoi c'est important le sommeil? Euh, chapitre 6, Your Mother and Shakespeare knew. Donc, euh, Universal euh, Healthcare Provider, c'est quoi un, un soin universel? Le sommeil, c'est ça. Le sommeil, ça soigne tout. Euh, donc, il met que, euh, cinq choses ici. Euh, le sommeil avant d'apprendre. Donc, euh, quand vous, vous voulez apprendre quelque chose de, 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 de nouveau, vous devez dormir la journée avant. Et deux, point numéro deux, vous devez dormir la journée après. Donc, euh, pour aller de manière efficace à l'école, il faut dormir avant et après. Et. Euh, il y a un, un bout de chapitre là-dessus où ils parlent euh, carrément d'hypnosophie, donc euh, comme dans Brave New World. Euh, il a, ils appellent ça de la targeted memory reactivation. Donc, on peut primer les gens à se rappeler des choses euh, durant la journée et via euh, des euh, mots qui sont dits avec des signaux envoyés euh, dans le cerveau. C'est absolument euh, diabolique. <laughs> Mais euh, souvent ces affaires-là, c'est pour régler des problèmes, euh, donc de sommeil, des euh, traumas, tout ça. Euh, c'est utilisé pour ça, mais euh, de penser que ça pourrait être utilisé pour d'autres choses, ça fait un peu peur. Euh, numéro 3, on, on, on dort pour oublier, donc pour euh, un peu, euh, c'est pour enlever le, tout ce qui est négatif émotionnellement, donc tout le trauma de, de, de l'expérience vécue. Euh, ça sert à ça. Euh, c'est un euh, reset émotionnel, je l'ai dit plus tôt. Euh, et donc, ça aide à process, à vivre et comprendre nos émotions internes, comment on se sent. Euh, numéro 4, euh, c'est le skill memory perfection. Donc, c'est la, la perfection des, euh, des compétences. Donc, euh, il ra raconte que durant une conférence, il y a un pianiste reconnu mondialement qui est allé le voir. Il a dit Des fois, j'ai de la misère à jouer un. un à jouer un bout de ma pièce, euh, je, je rate tout le temps le même bout, tout le temps le même bout, puis là je me couche, je me réveille, puis au réveil, tout se fait parfaitement. Ben, c'est ça, c'est le Skill Memory Perfection, ça veut dire que vous pouvez pendant trois heures rater, 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 vous dormez, vous revenez, ça revient. Et vous, vous réussissez de manière parfaite. Et euh, cinquième chose, la créativité. Donc, euh, chapitre 7, Too Extreme for the Guinness Book of World Record, parce que oui. Euh, Aujourd'hui, c'est euh, vous n'avez plus le droit d'essayer de dépasser le record de privation de sommeil. C'est trop dangereux. Euh, vous pouvez être en privation de sommeil euh, aigu ou chronique. Donc, manquer une minute de sommeil, ça c'est aigu. Et euh, chronique, c'est si vous manquez une, euh, 30 minutes, une heure par, euh, par jour. Ça, c'est ce qui arrive souvent pour à peu près tout le monde qui vont être en, en état de privation de sommeil. C'est à peu près une personne sur deux à chaque semaine. Euh, J'ai la statistique plus loin là, à la fin du de, de, de podcast. Euh, les dangers de la privation de sommeil, euh, étrangement, on met plus d'importance à l'alcool au volant que au déficit de sommeil quand on sait que c'est à peu près équivalent. Par exemple, euh, quand on a euh, de l'alcool au volant, on a des réflexes qui sont plus lents. Quand on a un manque de sommeil au volant, on a des micro sommeil qui donnent pas de réponse au volant. Ce qui veut dire que c'est pas des accidents, c'est des crashes. Euh, la sévérité des problèmes liés au manque de sommeil est balistique et il n'y a pas de fin. C'est-à-dire que plus vous êtes en manque de sommeil, plus tous les problèmes qu'il va y avoir liés au sommeil sont plus exponentiellement importants. Il euh, n'y a pas de fin à la détérioration. Euh, on sous-estime, comme avec l'alcool, de manière constante nos facultés. Notre, euh, on, on va penser qu'on euh, qu fonctionne de, manière, de, de, de meilleure manière et on va avoir aussi chez les gens qui sont de manière chronique atteints de ça, ils vont avoir une, une acclimatation euh, de certains processus, certains choix dans leur vie. Euh, et euh, si vous êtes debout plus de 19 heures, c'est comme si vous étiez sous. Vous êtes aussi efficace qu'une personne sourde. Donc, ça a amené Matthew Walker à euh, proposer que le recycling rate, donc le, le, le ratio pour euh, être capable de euh, revitaliser le corps humain, c'est 16 heures. Donc, on est 16 heures debout, il faut qu'on dorme le 8 heures, donc pour avoir le 7 heures minimum de sommeil. Euh, si vous dormez plus, euh, c'est souvent parce que vous n'avez besoin. Et euh, si vous êtes 10 jours avec environ 30, 30 minutes à une heure de manque de sommeil à chaque jour. C'est comme si vous avez manqué une nuit au complet. Donc, euh, vous avez 10 jours que vous avez dormi. Vous êtes couché juste pour 7 heures. Ça, ça, veut dire que vous avez 6, 6 heures et demie de sommeil. Pendant 10 jours, vous faites ça, c'est comme si vous avez fait une nuit blanche. Pour comprendre à quel point c'est important. Euh, 3 nuits complètes, c'est pas assez pour revenir de ça. Et euh, si vous, euh, vous avez une mauvaise nuit à chaque semaine, le problème va euh, revenir. Ça va être au bout de peut-être quelques semaines, c'est comme si vous avez eu une nuit blanche. Au bout de 2-3 deux, deux, semaines, vous avez eu une nuit blanche. Euh, ça a un impact sur votre corps. Euh, dans ce chapitre-là, Mathieu Walker raconte l'histoire du power nap. Donc, c'est la la F la, la FFA, FAA. US Federation Aviation Authority, qui, durant les années 80-90, a euh, exploré voir s'il y avait une manière de faire en sorte de faire baisser les risques d'accidents euh, dans les atterrissages, dans les vols euh, de longue durée, donc les vols des fois que les équipages ont une journée au complet dans l'appareil, et euh, donc faire de la prévention plutôt que des traitements. Et donc, euh, ils, ont, euh, ils ont parlé de euh, Active NAP. Et de planned napping avant de parler de power nap. Et pourquoi ils n'ont pas choisi ces deux noms-là avant C'est parce que ce pas assez. Ah. C'était pas assez mâle, c'était pas assez homme. Et donc, euh, en choisissant power napping, on a fait croire au euh, chefs d'entreprise que c'était manly de euh, dormir durant l'après-midi. Depuis euh, ces années-là, euh, les, euh, les pilotes en début de vol vont faire un, un, une sieste de 40 à 2 heures, 40 minutes à 2 heures. Euh, C'est aussi important de, euh, donc de dormir à court pour faire euh, régler le problème d'irrationalité émotionnelle, émotive, et euh, tous les, euh, les rages, les épisodes de rage inappropriés, les sentiments d'hostilité, tout ça. Pourquoi Parce que quand vous êtes en privation de sommeil, votre amygdale cérébrale est euh, active à 60% de plus qu'à la normale. Donc, la perception de la menace est amplifiée. C'est pour ça que les bobos bien éduqués qui sont en hystérie sur les réseaux sociaux sont probablement en privation de sommeil chronique ou aiguë. Euh, donc, plus ils vont être méchants avec vous et euh, intransigeants, ici et ça. Euh, donc euh, pourquoi? Parce que le cortex préfrontal est euh, inhibé parce qu'ils sont fatigués. Euh, et en plus de ça, derrière l'amidale, il y a le striatum qui est la euh, zone responsable de l'impulsivité et euh, des rushs de dopamine. Donc c'est le réseau de, ré de récompense. Euh, il est hyperactif aussi euh, à cause de l'amplification de l'amidale. Et donc tous les gens qui vont être en privation de sommeil vont aller chercher les gains rapides. Donc euh, souvent les addictions à l'alcool, aux drogues, sont amplifiées en épisodes de privation de sommeil. Euh, ce qui veut dire qu'il y a aussi des mood swings chez les personnes euh, émotives euh, en privation de sommeil. Donc, négatif, moins de sommeil, plus d'agression, plus de dépression, plus de suicide, tentative de suicide, plus de bullying à l'école, euh, chez les ados, euh, donc, Émotions positives, hypersensibilité au risque, au plaisir, la prise de risque, aux émotions fortes et aux addictions. Euh, le lien entre le sommeil et les euh, troubles de santé mentale, euh, c'est un, une rue à deux sens. Donc, on peut euh, avoir un trouble de sommeil qui nous amène à un épisode de santé mentale ou la santé mentale qui, qui cause le problème de sommeil. Donc, on parle de stress post-traumatique, dépression, anxiété, schizophrénie, troubles bipolaires. Euh, des fois, on peut, on peut, on peut prescrire un, une privation de sommeil à quelqu'un quelqu qui est en dépression avec des épisodes d'année de qu'on appelle. Là. Plus capable d'avoir des expériences positives. Tu sais, si vous êtes tout le temps comme, oh, j'ai le goût de rien faire, bien, une nuit blanche, ça va vous faire du bien. Euh, je ne vous prescris pas, je ne suis pas euh, accrédité pour faire ça. Mais euh, vous pouvez en parler à votre médecin si vous êtes en dépression chronique. Pour certaines dépressions, ça peut aider. Euh, et euh, donc, le plus dégueulasse, là, ça, c'est l'Alzheimer. Ça, ça me fait beaucoup peur. Là. Donc, le, le sommeil et l'Alzheimer, c'est lié. Donc, plus vous avez de privation de sommeil durant votre vie, plus vous allez de risque d'avoir l'Alzheimer. Tous les démences, là, les types de démences vasculaires, euh, des démences qu'il y en a plusieurs types. Là. Donc, euh, Matthew Walker a euh, beaucoup cherché sur le diagnostic, la prévention thérapeutique liée à l'Alzheimer. On sait maintenant que c'est lié à des plaques bêta-amyloïdes dans le cerveau. Euh, les plaques font diminuer le sommeil non REM. Le, la diminution de sommeil RM fait qu'il y a plus d'accumulation de, 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 de plaques, donc c'est un cercle vicieux, réaction en chaîne. Euh, si vous manquez de sommeil, il y a quelque chose durant, durant le sommeil qui est vraiment important, qui se passe, qui ne se passera pas. Si vous êtes en préservation de sommeil, c'est le système glymphatique, qu'on appelle, pas lymphatique, glymphatique. C'est des cellules gliales, la microglie qu'on appelle à l'intérieur. C'est là qu'il euh, va y avoir un peu comme un décrassage de toute. Vos, euh, vos, vos, votre système nerveux. Pourquoi? Parce que ces cellules-là vont rapetisser durant la nuit et donc le liquide, liquide céphalo-rachidien va pouvoir décrasser toutes les plaques. Euh, et donc, euh, si vous avez par exemple, vous êtes insomniaque ou vous, êtes, euh, vous faites de l'apnée du sommeil, vous êtes en facteur de risque en plus de l'insomnie euh, normale, bien, vous êtes en, en facteur de risque pour l'Alzheimer. Chapitre 8 Uh, cancer, Heart Attack, Shorter Life. Donc, on est dans les quatre gros euh, systèmes biologiques qui vont être euh, influencés par le manque de sommeil chronique ou aigu. Donc, le premier, c'est le système cardiovasculaire, deuxième métabolique, troisième immunitaire et quatrième reproducteur. Donc, euh, cardiovasculaire, c'est euh, une suractivation du système nerveux euh, aut euh, autonome. Donc ça, c'est le, le, le système flight or fight. Donc, on, on, quand on est comme full réveillé, adrénaline, je suis réveillé, ben ça, c'est système nerveux. Il y a aussi des hormones. Euh, tu as les, les hormones, puis tu as le système nerveux qui est, euh, qui est plus te réveiller. Deuxième chose, le cortisol, ça, c'est l'hormone du stress. Plus qu'on est stressé, plus il y a de cortisol dans le sang. Troisième chose, il y a moins de sécrétion d'hormones de croissance qui permet la réparation cellulaire. Et donc... Euh, ça, ça fait augmenter le, euh, le nombre de euh, AVC et de crise cardiaque, infarctus. Et la plus grande preuve de ça, c'est le Daylight Saving Time. Donc, à chaque fois qu'on change d'heure, euh, à chaque fois qu'on recule l'heure, donc qu'on a une heure de plus de sommeil, il y a une baisse dramatique la nuit après du nombre de crises cardiaques. Et à chaque fois qu'on avance l'heure et qu'on perd une heure de sommeil. La nuit, euh, la journée après, il y a une hausse dramatique de crise cardiaque. Euh, donc, ça veut juste dire qu'on le sait que c'est important. Et donc, on devrait au moins. Le genre de truc qu'on devrait faire, c'est qu'on devrait euh, séparer le changement d'heure euh, en deux jours ou l'étaler sur une semaine. Tu sais, on devrait faire quelque chose. De... Il devrait y avoir une meilleure manière de faire ça. Euh, ou complètement l'annuler, couper ça en deux. Euh, donc, on va couper une demi-heure partout. Certains vont l'avancer, d'autres vont le reculer, mais après ça, on ne le fait plus. Mais d'une manière ou d'une autre, il va falloir qu'on trouve une manière de régler ce problème-là. C'est un problème de santé publique. Deuxième chose, problème métabolique. Donc, diabète, prise de poids. Oui, le sommeil influence ça. Euh, le sommeil, vous, perte de sommeil, va vous faire manger plus parce que, euh, parce que vous, vous avez une baisse de l'hormone leptine qui est le sentiment de, pl de plénitude dans votre bedon et fait augmenter la sécrétion de gréline, qui est euh, la sensation de faim. Donc, si vous êtes en privation de sommeil, votre corps pense que vous êtes en état de euh, famine ou en état de combat, donc vous, allez, vous avez besoin de manger. Et deuxième chose, vous avez besoin de glucose. Donc, il y a une baisse d'efficacité de l'insuline qui fait que euh, les euh, cellules sont moins réceptives à l'insuline et 40 moins d'absorption de glucose. Donc, vous êtes en état hyperglycémique dans votre sang. C'est pas bon, c'est pré-diabétique. Euh, baisse de sommeil, euh, ça elle, augmente le nombre d'endocannabinoïdes de, -canna dans votre euh, euh, dans votre cerveau, ce qui fait que vous avez la sensation de euh, munchies. Donc vous mangez plus mal en plus. Donc vous mangez plus et plus mal. Vous voulez manger sucre pain importe, de patate, hydrate de carbone et du sucre ra euh, raffiné. Et euh, vous, vous, vous en mangez plus parce que le cortex préfrontal est fermé et euh, vous n'êtes pas capable de vous arrêter. Et euh, ça influence aussi votre bedon, donc le gut euh, Le système nerveux entérique devient hyperactif aussi. Plus de cortisol, plus de mauvaises bactéries dans votre flore intestinale. Euh, moins d'absorption de nutriments dans votre, flore, dans votre intestin. Problèmes gastrointestinaux, intestinaux euh, et donc, on peut dire que l'épidémie de sommeil influence directement l'épidémie d'obésité qu'il y a en Occident. Et, euh, et même euh, le diabète des jeunes, l'obésité des jeunes, totalement liée à l'épidémie de euh, privation de sommeil. Et certaines personnes vont penser que c'est vraiment cool que quand je dors moins, je perds du poids. Mais en fait, vous perdez de la masse musculaire plutôt que de perdre du gras. C'est déprimant. Hein? Euh, système reproducteur, troisième chose, système de reproducteur, les hommes, il faut le dire aux hommes, il y a un, un, un diagnostic qui est euh, très courant chez les hommes, c'est euh, ce trouble du sommeil plus apnée du sommeil, euh, baisse de testostérone, euh, 29% moins de, euh, euh, de spermatozoïdes dans le sperme. Petit euh, testicule, euh, difficulté de concentration parce qu'il n'y a pas assez de testostérone dans le cerveau. Parce que oui, la testostérone influence euh, donne aux hommes la capacité de mieux réfléchir. Baisse de libido, baisse de densité osseuse. Chez les femmes, ne riez pas. Euh, baisse d'hormone de relâchement folliculaire, donc vous avez des troubles euh, de menstruation. Euh, 80% plus de chances d'avoir de, des problèmes de sous-fertilité ou d'infertilité, plus de fausses couches en premier trimestre et euh, perception de la beauté affectée pour les deux, les deux sexes. Baisse de sommeil, les gens vont le voir, vont sentir que vous êtes moins en santé, vont, voir, vont voir vous croire moins attractif et euh, vont voir votre fatigue. Quatrième système immunitaire a clear, linéaire. Relationship with infection rate: the less sleep an individual was getting in a week, before facing the active common cold virus, the more likely it was that they would be infected and catch the cold. Donc, ils ont fait une expérience pour euh, voir si la personne allait être facilement infectée par un, un, un petit virus de rhume ben normal. Et euh, donc, une personne euh, qui dort normalement la semaine avant, 18%, et la personne qui ne, euh, a eu un, un problème chronique de privation de sommeil la semaine avant, va avoir 50% de chances d'attraper le euh, rhume. Donc, euh, c'est plus du double. C'est quasiment quasiment le triple. Euh, donc, quasiment 300% de chance. Euh, et on le sait aussi, ça a un impact pour les vaccins. Donc, système immunitaire et vaccin, c'est très lié. Euh, si vous avez, dans votre semaine avant le vaccin, manqué une nuit, une nuit de sommeil avec un problème, votre réponse immunitaire va être baissée jusqu'à 50 et plus. Euh, et même si, après le vaccin, vous reprenez le temps de sommeil perdu, la, euh, le gain avec les anticorps est perdu. Et là, l'autre chose qui est encore plus dégueulasse, c'est le lien cancer. Cancer et euh, privation de sommeil. Il y a une euh, baisse radicale des euh, NK cells, donc les celles natural killer, euh, cellules qui tuent les euh, cellules euh, cancéreuses. Une nuit à 4 heures de sommeil détruit, fait disparaître 70% des cellules NK. Euh, la stimulation du système nerveux autonome cause de... Euh, l'inflammation chronique, plus de cortisol, plus de stimulation. Euh, cette inflammation chronique-là, ça crée un espace parfait pour un, un, la croissance d'un un cancer, la, les métastases et un, le fait que ce cancer va être plus agressif. En plus de ça, les macrophages, il y a deux types de macrophages qui sont affectés par cet état hyper-inflammatoire-là. Les macrophages M1 qui vont combattre normalement cancer vont... Euh, être inhibé, donc il va en avoir moins. Et euh, les macrophages M2 vont accélérer la croissance de tumeurs. Euh, Celles-là, ils vont être euh, activés plus fortes. Et, et donc, la cinquième chose, le sommeil, et l'ADN, donc ça a un impact sur les télomères de vos chromosomes euh, quand vous avez une privation de sommeil. Euh, il y a... Euh, des différences d'expression des gènes euh, dans la, de votre ADN. Donc, il va y avoir des gènes qui vont être inhibés, les gènes de métabolisme stable, euh, système immunitaire normal, réponse immunitaire, et euh, dans les, euh, les gènes qui sont anormaux, qui vont être exprimés, la moitié des autres, c'est euh, les gènes d'inflammation euh, chronique, de stress cellulaire, ce qui fait augmenter les euh, risques de maladies cardiovasculaires. Et, fait diminuer le nombre de lipoprotéines à haute euh, densité, donc les HDL, qui sont super importantes pour le système lymphatique et euh, votre euh, gestion du gras dans le corps. Donc, euh, si vous en avez moins, ça veut dire que vous avez plus de chances, encore une fois, de faire de l'athérosclérose et tout ça. Euh, infractus, AVC, tout ça. C'est dégueulasse. Euh, donc là, on est rendu troisième partie, les rêves. Euh, chapitre 9, Routinely Psychotic. Donc, on est rendu au sommeil REM, les rêves. Il se passe quatre choses dans les rêves. Il se passe, il se passe que votre région visuo-spatiale va être active, donc l'occipite en arrière. Euh, le cortex moteur va être actif. Euh, votre hippocampe va être euh, actif. Et euh, votre, vos centres des émotions vont être actifs. Tout le reste va être fermé. Et donc, c'est pour ça que vous avez vos rêves, vous êtes tout foqué comme ça. Euh, les centres émotionnels sont actifs à 30% de plus que normalement. Euh, c'est ce qu'on appelle la maintenance, euh, c'est une partie de la maintenance de votre nuit, donc les rêves. Euh, on est capable aujourd'hui avec des, euh, des, euh, des machines à résonance magnétique et d'autres trucs comme ça à décoder les rêves. On peut décoder le sujet le contenu et la forme du rêve, mais pas les spécificités. Donc, si par exemple vous rêvez que vous êtes dans une grande église, bien, le signe église pourrait être décodé euh, dans une étude avec d'autres gens. Euh, si vous rêvez d'une croix, si vous rêvez d'un stylo, d'une fleur, mais on ne peut pas... Si vous rêvez d'un de, de, humain on ne saura pas c'est quoi le type d'humain si vous rêvez d'une fleur on ne saura pas c'est quoi le type de fleur donc on n'est pas le... spécifiquement on n'est pas prêt encore mais c'est proche et c'est très cyberpunk rendu là donc les rêves c'est quoi c'est les résidus de la journée les résidus émotionnels surtout mais aussi les nouveaux savoirs et les nouveaux savoir-faire donc les actions que vous avez faites euh... Pourquoi les métiers d'urgence, c'est vraiment important, le sommeil. Il y a un réseau spécifique qui euh, n'est pas, pas recalibré durant la nuit si vous avez un déficit de sommeil, c'est la lecture des expressions faciales. Donc si vous avez une insomnie, la nuit d'après, avec vos patients, vous allez être plus intolérant et euh, émotionnellement instable. Et le, ça, c'est employé, boss, tous les types d'employés. Euh, c'est le, le donc le l'amidal et tout ça le friend euh, ami ou ennemi on sait plus qu'on n'est plus capable de faire la différence donc quand j'appelle quand je parle de régression sociale et cognitive ça fait partie de ça chapitre 10. dreaming an, as overnight therapy donc euh, dormir euh, le rêve c'est une thérapie euh, pourquoi parce que ça, euh, euh, ça, ça, ça nous aide à euh, faire processer, faire comprendre, accepter, vivre avec euh, nos, euh, nos problèmes émo émotif, émotifs et notre euh, donc euh, équilibrer notre, euh, notre état mental et euh, ça a aussi un impact sur la créativité et la euh, pour euh, résoudre des problèmes. Donc si vous avez un problème dans votre vie, vous dormez là-dessus, vous vous réveillez le matin, vous êtes tout prêt, tout frais, tout dispo et euh, vous allez Probablement trouver des solutions plus facilement. Donc, uh, The Theory of Overnight Therapy de Matthew Walker, c'est The process of REM sleep dreaming accomplishes two critical goals: sleeping to remember the details of those valuable, salient experiences, integrating them with existing knowledge and putting them into autobiographical perspective. Yep. 2. Sleeping to forget or dissolve the visceral, painful, emotional charge that had previously been wrapped around those memories. Donc, dormir pour se rappeler, se rappeler des gens autour de soi, se rappeler de, de ce qui se passe dans notre vie. Et dormir pour oublier, oublier les traumas, oublier les problèmes qu'on a et euh, essayer de sortir des cercles vicieux. Donc, le sommeil est, imp... est très important pour ça. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans un syndrome de stress post-traumatique? C'est que ce processus-là, il, euh, il est bloqué. Il est bloqué au stade que la personne doit revivre l'émotion pour passer au, tra au travers, mais elle n'est pas capable. Parce qu'à chaque fois qu'elle essaie euh, son esprit de passer à travers ce trauma-là dans, dans ses rêves, il y a un état adréna, adrénaline qui, euh, qui s'enclenche. Donc, la personne est comme... Elle a peur, adrénaline, noradrénaline, système nerveux autonome qui s'est enclenché, amygdale enclenchée, tout ça. Et là, pas capable de sortir de ce cercle vicieux-là. Et euh, c'est pour ça qu'il euh, y a certaines drogues qui vont... Euh, comme par exemple les champignons ou le LSD de ces affaires-là, qui, euh, qui essayent de, présentement d'utiliser ça pour traiter ces genres de traumas-là. La MDMA aussi essaye ça. Parce que ces, ces états euh, qui ne sont pas des états de sommeil, qui ne sont pas des états réveillés, pourraient permettre de processer ces mémoires-là. Essayer de passer par-dessus ces euh, expériences-là. Chapitre 11 Dream Creativity and Dream Control. Donc, la créativité et le contrôle des, euh, des rêves. Euh, le sommeil non REM renforce les mémoires. Le sommeil REM permet de euh, fusing and blending those elemental ingredients together in abstract and novel ways. Donc, c'est une cartographie des, des connaissances qui permet de mettre en lien des trucs qui, de prime abord, n'étaient pas liés. Là, il y a plein d'exemples historiques de ça. Là. Mendeleev qui a créé son tableau périodique endormant. Euh, Otto le Levy, le, qui est un, euh, un des premiers neuroscientifiques qui a découvert le neurotransmetteur aussi durant un, un sommeil, durant un rêve. Paul McCartney, Kate Richard, qui ont écrit durant leur rêve. Mary Shelley, Frankenstein, durant son sommeil plein de belles histoires comme ça, REM sleep, creativity, problem solving, more fluid, divergent, open minded state of information processing. Donc on repasse en revue les nouvelles connaissances durant la nuit, euh, durant les rêves, mais les on les revoit d'une nouvelle manière, on change de perspective durant, durant nos rêves. Euh, si, euh, si vous voulez avoir euh, le bénéfice des rêves sur le, ces, ces mémoires-là, il faut que vous rêviez à propos de ça. Donc, si vous rêvez de, que vous allez au dépanneur acheter une crème à glace, ça ne va pas vous aider à régler vos problèmes dans votre vie ou à régler le problème de maths de chimie que vous avez devant vous. Par contre, si durant votre semaine, vous êtes sur votre planche à écrire en train de dessiner ou en train de ou vous êtes en, euh, dans votre cours en train de jouer du violon, ça va avoir un impact sur votre apprentissage. C'est la différence entre le « knowledge » et le « wisdom ». Donc, le « knowledge », la connaissance, savoir des choses, des petits pointillés un petit peu éparpillés. Et le « wisdom », c'est mettre en lien ces points-là. Euh, le, toutes les compétences abstractes, euh, qui sont euh, très abstractives, très abstraits, sont euh, développées dans la phase REM. Donc, le, des exemples, il y en a quelques-uns. Euh, par exemple, l'évaluation, le diagnostic en santé. Euh, c'est mettre en lien plein de trucs différents euh, dans, plein de, dans plein de domaines différents. Là. Euh, donc, c'est très abstrait. Euh, L'apprentissage d'une nouvelle langue, c'est un autre exemple de skill abstrait qui se développe durant le sommeil. Euh, vous pouvez avoir des insights qu'on appelle, excusez. Vous pouvez avoir des insights qu'on appelle euh, en vous réveillant. Donc, des moments où vous faites, ah, j'ai compris. Euh, donc le problem solving aussi donc résolution de problème part of dreaming takes that which we have learned in one experience setting and seeks to apply it to other stored in memory. Donc on réapplique ce qu'on a appris nouvellement à d'autres expériences qu'on a dans notre cerveau. Thomas Edison abusait de la sieste de cette manière-là parce que dans la sieste des fois il y a des phases REM et à chaque fois que il s'endormait. Il y avait un dispositif pour le réveiller en sursaut euh, après quelques minutes. Ce qui faisait qu'il se réveillait après une phase REM souvent. Et donc, il y avait un état créatif qui persistait. Et donc, il, il abusait de ça. Autres personnes qui peuvent abuser de ce processus-là, c'est les, euh, les rêveurs lucides. Et j'en suis. Euh, donc, c'est très intéressant comme phénomène. Euh, Partie 4, euh, donc là on est rendu dernière partie, euh, santé publique, From Sleeping Pills to Society Transformed, Things That Go Bump in the Night, chapitre 12. Euh, donc il y a plus de 100 euh, désordres du sommeil, troubles du sommeil qui existent. Dans le chapitre, il y en voit 4, donc le somnambulisme, l'insomnie, la narcolepsie et euh, l'insomnie fatale euh, familiale, l'insomnie familiale fatale. Le somnambulisme, c'est quoi? C'est le cortex moteur qui n'est pas inhibé durant une phase de. Euh, entre deep sleep, non REM, donc qui n'est pas en train de rêver, et euh, réveillé. Donc il est dans un état entre les deux. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y euh, il a pas de conscience, il n'y a pas de réveil avec un, avec un rêve, donc, parce qu'il était en phase non REM. Et donc, c'est ça le somnambulisme. C'est souvent les jeunes euh, qui ont ça. Euh, D'habitude, c'est censé disparaître. On va consulter quand il y a un problème. Euh, deuxième chose, l'insomnie. Donc, l'insomnie, on peut avoir le onset ou la maintenance. C'est deux types d'insomnie. De, de, onset insomnia, c'est euh, de la misère à s'endormir. Et la maintenance, c'est on va se réveiller de manière fréquente. Quand on a de l'insomnie, il y a souvent deux choses qu'on fait, ne va pas faire comme différence. Je vous ai dit que j'allais revenir, j'y reviens là, là maintenant. Donc, on ne fait pas la différence entre la capacité à générer assez de quantité de, de qualité de sommeil et on ne fait pas la différence avec se donner assez d'opportunités pour générer ce sommeil-là. Ça veut dire que vous allez vous donner, mettons, 8 heures de sommeil de, 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 pour dormir. Vous, vous, endormez, vous allez vous coucher dans votre lit à 8 heures le soir. Et donc, vous. Euh, non, vous allez vous, vous coucher dans votre nuit à, à 10 heures le soir et vous vous réveillez à 6 heures. Donc, vous avez 8 heures. Vous vous dites, j'ai mon 8 heures. Mais là, pendant, euh, pendant 45 minutes, vous êtes sur votre cellulaire. Donc, là, il vous reste 7 heures et quart. Et là, le cellulaire, la lumière dans vos yeux pousse la sécrétion de mélatonine, ce qui fait que vous, avez un, vous restez en état de la, de la misère à vous endormir. Et là, ça vous prend une demi-heure, 45 minutes de vous endormir. Et là, vous venez de passer, euh, vous, vous, au lieu d'avoir 7 heures de sommeil, vous êtes rendu à un déficit d'à peu près une demi-heure de sommeil. 6 heures et demie, et là, ça veut dire que vous allez être en privation de sommeil la journée d'après. Donc, euh, ça c'est la différence entre les deux, c'est très important. Il euh, y a aussi un truc qui, a, qui, est très, qui existe très souvent, c'est l'insomnie insomnie paradoxale. Ça, c'est un trouble hypochondriaque. Vous pensez que vous ne dormez, euh, dormez pas assez, mais quand on vous ploque des électrodes sur le cerveau, quand on vous re, regarde avec une caméra, vous dormez vos euh, 7, 8, 9 heures. Ça existe. Vous pouvez consulter pour essayer de voir si c'est ça. Euh, des cliniques du sommeil, là, ça existe. C'est vraiment important si vous avez des troubles du sommeil. Euh, le diagnostic de l'insomnie, c'est quoi? C'est pas assez euh, ou euh, en quantité de sommeil ou en qualité. Euh, la difficulté à tomber, en, à tomber euh, endormi, rester endormi, réveil matinaux, ça c'est A. B. Euh, ça vous provoque une détresse. Donc, vous avez des problèmes, ça vous a un, un impact durant votre vie, durant votre travail, la journée. Troisième chose, euh, au moins trois jours chaque semaine que ça vous arrive, pour plus de trois mois. Donc, c'est la chronicité qu'on appelle. Quatrième chose, il n'y a pas de problème coexistant de santé mentale ou physique qui causerait par la bande l'insomnie. Donc, ça, ces quatre conditions-là, c'est un Américain sur neuf, 40 millions d'Américains. Euh, deux fois plus présent chez les femmes, plus présent chez les, les noirs et les hispaniques que chez les blancs. C'est 30 milliards de dollars en 2017 de médicaments pour dormir, des somnifères. C'est mauvais pour la santé, les somnifères. La génétique joue un rôle, mais c'est souvent aussi des, des causes non génétiques, euh, des interactions gènes environnement. Il euh, y a des triggers psychologiques, triggers physiques, des triggers médicaux, des triggers environnementaux. Euh, externe, on va souvent voir donc la lumière euh, qui cause ça, la mauvaise température dans votre chambre, la caféine, le tabac, euh, qui sont tous les deux des, euh, des excitants, et l'alcool qui est un sédatif qui va euh, jouer avec votre sommeil, les facteurs inter internes, donc les euh, problèmes émo émotifs et euh, la détresse émotionnelle, l'anxiété. Qu'est-ce qui arrive donc? Euh, suractivation du système nerveux sympathique, augmentation du, euh, des battements du cœur, du, de, de, du euh, métabolisme, plus de cortisol, plus d'activation du cerveau. Euh, votre température corporelle augmente quand au début de la nuit elle est censée diminuer, ce qui veut dire que vous avez de la misère à, à vous endormir. Plus de cortisol, plus d'adrénaline, no plus de noradrénaline dans votre cerveau, ce qui fait que vous restez comme plus réveillé. Votre amygdale, votre hippocampe, votre thalamus restent activés quand ils sont censés euh, baisser un peu, euh, surtout durant le non-REM, ce qui fait que vous restez dans un état de rumination en vous endormant. Et donc, la qualité de votre sommeil va être mauvaise. Donc, ça, c'est l'insomnie. Euh, la narcolepsie, ça c'est le troisième. Donc ça c'est euh, un problème de euh, réponse aux émotions négatives et positives parce que euh, votre, euh, le, le, la switch de l'hypothalamus qui euh, fonctionne avec le neurotransmetteur qui s'appelle orexine, il sécrète plus de, à 90% de cette protéine-là, de ce neurotransmetteur-là, et euh, il y a moins de récepteurs en plus. Euh, sur euh, les neurones ce qui fait que euh, la switch est comme entre deux, deux pôles, ce qui fait que euh, ça fluctue et euh, à chaque fois qu'il y a une émotion forte, pouf! Il y a donc les trois choses qui apparaissent donc le, le, le plus de sommeil durant la journée, paralysie du sommeil, cataplexie les... et, euh, et donc durant leur épisode narcoleptique, ils sont encore euh, réveillés, donc ben, pas réveillés mais euh, ils sont conscients, mais leur corps est, est endormi. Euh, C'est le tronc rachidien, le thalamus, qui a un problème entre les deux. Et euh, donc, à chaque fois qu'il y a une émotion forte, le thalamus coupe son, le sensory gate, qu'on appelle, que je vous ai dit tantôt, l'influ nerveux sensitif. Et là, ça fait que les paralyses du sommeil, cataplexie. Euh, quatrième chose, l'insomnie familiale fatale. Ça c'est un désordre génétique qui lie à une protéine prion. Donc euh, c'est comme des virus prions là, mais ça c'est une protéine. Il y en a plein des protéines prions dans votre tête. Ils ont toutes des fonctions différentes. Cette fonction là, euh, cette protéine prion là, génétiquement modifiée, euh, elle remonte. C'est une lignée familiale qui remonte jusqu'en Italie. Et euh, cette protéine là se transmet dans le cerveau comme un virus. Donc quand vous commencez à avoir ce syndrome là. On n'a pas de manière de sortir de ça encore aujourd'hui. Et ça fait la même chose que le narcoleptique. Donc, ça gruge le thalamus, qui est le Sensory Gate. Et donc, au fur et à mesure que la personne vit, ça se euh, détériore, le thalamus disparaît, il devient comme troué, un, comme une éponge trouée, et euh, plus capable de fermer, plus capable de dormir, la personne va se détériorer et mourir. Euh, C'est vraiment dégueulasse. Sleep Privation is Food Privation, oui. Quand vous êtes en privation de sommeil, votre, votre corps croit que vous êtes en état de famine. Donc, vous, vous, on était des chasseurs cueilleurs à l'époque, donc c'était pour nous permettre d'être dans un état pour essayer de rechercher de la bouffe encore plus. C'est pas un état qui est censé être tout le temps là, et c'est ce qu'on fait par exemple depuis, euh, depuis un siècle et de plus en plus depuis deux décennies. Je vais revenir plus tard pour toi. Pourquoi? Euh, quand on est en privation de sommeil, donc une perte de euh, masse corporelle, plus capable, on n'est plus capable de réguler notre température corporelle. C'est pour ça que vous avez souvent froid quand vous êtes en manque de sommeil. Et troisième chose euh, qui apparaît, plus on avance en privation de sommeil, là, on n'est plus capable de euh, réguler notre système immunitaire. Donc plus en plus qu'on est en privation de sommeil, ce qui fait qu'à la fin... Quand plus qu'on est en à peu près 3-4 jours de manque de sommeil, maintenant on commence à avoir des, euh, des, des petites blessures, euh, des petites meurtrissures. Donc ça, c'est des, euh, des, des, des petites infections bactériennes opportunistes de notre flore microbienne normale. Et ce qui va nous tuer au bout de l'insomnie va être euh, la septicémie au bout de peut-être 2-3 semaines. Euh, donc le microbiote va rentrer dans le sang et par opportunisme et va euh, provoquer la septicémie. Euh, le mythe des chasseurs-cueilleurs, il y avait des études qui avaient sorti ça à propos de euh, tribus qui dormaient 6 heures et 3 quarts par nuit. Euh, ce 6h-3 quarts là en fait, c'est un état de privation de nourriture qui amène une privation de sommeil. Euh, donc, ces personnes-là, euh, c'est pour ça qu'ils sont. leur espérance de vie n'est pas 60, 60, 70-80 ans, mais 50-60 ans. Euh, donc, si vous voulez copier les, les chasseurs-cueilleurs... Euh, vous allez mourir à 50, 60 ans. Euh, ce qui fait que la relation entre le de sommeil et l'espérance de vie, c'est un U. Donc, si vous êtes en dessous, vous n'avez pas assez de 7 heures, entre 7 heures et 9 heures de sommeil, vous allez avoir une, une baisse d'espérance de vie, donc monter des risques. Et si vous euh, dormez plus que 9 heures, ça veut dire que votre corps a des problèmes de santé et donc vous avez plus de risques. Chapitre 13, iPads, Factory Whistles, Nightcaps. Donc, on arrive au problème de la société moderne. Donc, la société moderne, c'est quoi? C'est euh, de l'électricité, euh, des lumières électriques constantes, euh, la capacité d'avoir de, euh, des pièces qui, avec des températures euh, qu'on choisit, la caféine, l'alcool qui est partout. Et euh, donc des alarmes partout, punching card qui appelle, euh, les punching times, le, quand on va puncher à l'usine, ben là, on a ça dans notre téléphone, on a notre alarme dans le téléphone. Ce qui fait que quand, avec toutes ces lumières-là, on a une baisse de sécrétion de mélatonine, ce qui fait qu'on a des problèmes de sommeil qui apparaissent. Euh, une lumière de chevet, c'est 20 à 80 lux, quand euh, seulement 8 à 10 lux peuvent euh, vous arrêter de faire sécréter de la mélatonine durant la nuit. Donc ça peut vous faire avoir des problèmes à vous rendormir à cause de la lumière. Le, le iPad avant la nuit, c'est zéro. Vous devriez lire des livres comme moi. Euh, c'est pour ça que j'ai ma grosse bibliothèque derrière. Si un jour, la société s'effondre, je vais avoir quand même mes livres de 1 et de 2. Euh, tout le problème de l'épidémie de manque de sommeil est lié à ces lumières-là, ces lumières bleues, euh, les LED. Si tu utilises ton téléphone durant ta nuit, tu vas avoir un digital hangover. Donc, tu vas être en. Tu vas avoir comme un. Comme si tu étais sous, mais avec ton téléphone. Parce que euh, la durant ta nuit, ta mélatonine va arrêter d'être sécrétée. Et la nuit d'après, il va y avoir un lag. Donc, euh, ton corps va croire que euh, tu es en décalage horaire, donc il va faire sécréter la mélatonine plus tard dans ta nuit. Donc, ça crée un cercle vicieux. Euh. L'alcool n'est pas quelque chose qui permet de dormir, mais un sédatif. L'alcool fait fragmenter votre sommeil et fait diminuer votre sommeil REM. Et dans les nuits après que vous allez avoir une nuit de sous, par exemple, la nuit, les nuits après, votre corps va essayer de revenir sur le, le manque de sommeil REM que vous avez raté. Donc, les nuits après une brosse, vous allez essayer d'avoir plus de sommeil REM. Et c'est laid parce que c'est 3, 4, 5 jours après. Euh, température de la chambre, si vous êtes capable, vous devriez la régler vers 18 degrés Celsius, donc plus, plus basse que beaucoup de gens la mettent pour vous aider. Euh, vous perdez. Euh, si vous voulez vous aider à vous endormir, vous prenez, prenez, un, prenez un bain ou une douche avant. Euh, ça fait euh, sortir votre, euh, la chaleur de votre corps plus facilement. Chaleur qui sort par la tête, les mains et les pieds en, en premier. Vous pouvez aussi frotter les pieds en vous dormant, mettre vos pieds à l'extérieur de la couverte pour vous aider à vous endormir. Et vous ne devriez pas avoir d'alarme. Si vous voulez avoir une alarme, vous devriez avoir une alarme pour votre heure de coucher. Mais vous devriez vous réveiller naturellement au moment où vous devez vous réveiller. Ça c'est très important. C'est très 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 important. S'il y a une chose que vous devez faire, c'est avoir votre horaire de sommeil, parce qu'à chaque fois que, vous, que votre alarme fonctionne et à chaque fois que vous pesez sur snooze, vous, c'est comme si vous injectiez euh, une dose d'adrénaline que vous étiez devant un un tigre en vous réveillant le matin, donc vous devriez partir en courant à chaque fois que vous faites ça avec une alarme. Et donc, si vous faites le matin, 5 snooze de suite, ça veut dire que c'est comme 5-6 fois de suite que, vous, que votre corps croit qu'il vient d'apparaître un tigre. Et ça, ça a un gros impact dans tout le reste de la journée, ça vous déséquilibre. Chapitre 14, Hurting and Helping Your Sleep. Euh, dans les derniers mois aux États-Unis, c'est en 2017 qui a été écrit le livre, là, 10 millions de personnes consomment des somnifères. Les somnifères sont des sédatifs hypnotiques. Ce ne sont pas des choses qui permettent le sommeil, ça ne permet juste au corps de fermer. Donc, il euh, n'y aura pas de sommeil réparateur, vous allez manquer les plus grosses euh, ondes cérébrales profondes qui sont les plus importantes pour recalibrer et décrasser votre système. Euh, le jour d'après, vous allez être plus groggy, comme euh, vous allez avoir un cercle vicieux. Donc, vous allez vouloir utiliser plus de somnifères, vous allez construire une tolérance et il y aura un sevrage si vous arrêtez. Euh, les médicaments associés euh, sont associés aux problèmes de euh, toutes les problèmes de santé et même on, certains somnifères sont des effaceurs de mémoire, donc vous prenez votre somnifère et vous avez tout oublié ce que vous avez vécu durant la journée donc là on est rendu au moins clé là. in the early 2000 insomnia rates ballooned and sleeping pill pres pres prescriptions escalated dramatically donc au début 2000 l'insomnie a explosé et le nombre de prescriptions de somnifères a explosé aussi et on le sait, si vous utilisez des sonifères de manière occasionnelle, donc une demi-pilule à 18 pilules par année, vous avez jusqu'à 360% plus de risque de, de mourir durant cette année-là, versus une personne de votre âge à cette année-là. Donc, c'est des. Infection rate, donc des infections, des cancers, des euh, AVC, des crises cardiaques et des crashs. Pas des accidents d'auto, des crashs d'auto. Parce que je vous l'ai dit, le manque de sommeil, ça fait des crashs. Euh, il existe, plutôt que les somnifères, une thérapie que vous devriez utiliser. Donc, vous allez voir un, un spécialiste. Ça s'appelle la euh, thérapie cognitivo-cognitive. Euh, comportementale pour l'insomnie. Donc, vous allez faire cette thérapie cognitivo-comportementale-là pour l'insomnie. Vous allez vous sentir plus outillé à avoir une bonne économie du sommeil. Euh, donc, les bonnes pratiques de sommeil, ça fait partie de l'hygiène, ça fait partie de la diète, ça fait partie de, euh, de tout. comment vous devriez voir votre corps avec l'exercice. Et euh, même vos capacités sportives vont être boostées si vous avez eu une nuit complète. Donc, quand Connor McGregor va faire un, un combat ultime la nuit après qu'il ait fait le party, c'est normal qu'il ait perdu. Donc, parce que toutes ses capacités ont été diminuées. Euh, chapitre 15, Sleep and Society. On arrive à la fin, là. Euh, 1946, 8% de la population dormait 6 heures et moins. 2017, 25% des Américains. 2013, euh, Matthew Walker a fait faire une étude, National Sleep Foundation. 35% n'avaient pas fait euh, 7 heures de sommeil dans la nuit euh, d'avant. Euh, le même sondage avait fait 39% des euh, Anglais d'Angleterre et 66% des Japonais. Donc, pour l'Organisation mondiale de la santé, c'est une global, global Health Pandemic. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est la troisième pandémie que, que j'étudie que avec vous, troisième grande épidémie de l'Occident. La première, c'est l'épidémie de mort d'opioïdes et de mort de désespoir. La deuxième, la COVID-19. Et la troisième, donc, l'épidémie de sommeil et d'obésité. Euh, sommeil obésité diabète euh, crise cardiaque cancer Alzheimer donc tout ça ensemble euh, un demi un, un occidentaux sur deux adultes n'aura pas le sommeil nécessaire dans sa dernière semaine un, un sur deux là, dans la dernière semaine euh, many of these individuals do not report wanting or needing less sleep donc ces ces individus là ne rapportent pas vouloir ou avoir besoin de plus de sommeil mais ces mêmes individus-là, 60 vont essayer de dormir plus que 8 heures euh, durant le week-end, ce qui va créer une spirale parce qu'à chaque fois qu'ils vont faire ça, le lundi va être encore plus fatigué parce que votre corps essaye de s'ajuster. Et là, quatre manières euh, que le sommeil a un impact sur la société. 1. l'impact dans euh, le marché de l'emploi, donc la productivité. Euh, quand on parle de... Key, uh, key personal indicators. Donc, le, euh, on peut aussi parler de produits intérieurs bruts. Moins de productivité. Euh, les individus qui vont moins euh, dormir vont être moins productifs. Ils vont choisir des charges plus faciles à faire, des projets plus faciles à remplir, moins complexes. Et ils vont avoir des mauvais comportements éthiques au travail. Euh, ils, ils vont faire ce qu'on appelle ces deux choses. C'est ethical deviance qu'on peut dire. Fait qu'ils vont complètement. Leur cortex préfrontal est fermé, donc vont être plus impulsifs et plus euh, agressifs. Et euh, ils vont faire du social loafing qu'on appelle, donc du népotisme. Ils vont travailler pour simplement se glisser dans les mailles de, euh, de, 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 de la bureaucratie pour profiter du système et euh, profiter tout ça de leur journée. Euh, surtout dans les équipes, ils vont moins travailler et ils vont choisir des projets plus faciles. Euh, donc, entre un bon et un mauvais employé, il y a entre 20 et 60 minutes de sommeil. À peine, à peine. Donc, si vous êtes capable de vous donner une heure de plus d'opportunités de sommeil, si vous êtes dans ceux qui ont euh, dans la moyenne, là, vous pourriez régler votre problème de productivité au travail. Euh, ça veut dire moins de café, ça veut dire plus de travail, moins de journée de travail, vous travaillez de manière plus efficace. C'est un engrenage tout ça. Euh, c'est aussi présent chez les, les CEO et les, les employés. Euh, les entreprises comme la NASA, Procter Gamble, Gold, Goldman Sachs, euh, Nike, Google euh, ont euh, modifié leur politique interne liée à ça. Euh, ils font des bonus, euh, des, des chambres de relaxation. Euh, deuxième chose que ça a un impact, la privation de sommeil, c'est la torture. Donc il y a beaucoup de pays qui font la privation de sommeil en torture. C'est un, un basic life necessity. Donc, euh, tous les pays qui font ça ne remplissent pas leurs obligations euh, en vertu des conventions de Genève. Contre la torture, on s'appelle, on se rappelle l'histoire. Troisième chose, euh, le sommeil dans l'éducation. Donc, l'horaire des bus et des écoles. Au Québec, souvent, il y a beaucoup d'écoles qui vont commencer à 7h30, 8h30. Ça ne devrait pas, ça devrait être à 9h. Euh, pareil pour le bus. Euh, C'est certain que, par exemple, moi, je devais me le, je, partais, je partais le matin entre 7h20 et 7h40. Donc, je devais me lever à 6h30, 6h30 environ pour être prêt. Et euh, donc, j'avais des gros problèmes euh, de sommeil durant mon adolescence, surtout le moment où je socialisais sur Internet. Là, donc, euh, j'avais des mauvaises nuits. Euh, C'est probablement une des raisons pourquoi j'ai raté beaucoup d'écoles euh, durant mon adolescence. Euh, si vous poussez l'heure euh, d'ouverture des classes, ça fait augmenter le nombre d'étudiants qui vont à l'école et ça fait baisser le nombre d'accidents le matin. Euh, en moyenne, versus les enfants d'il y a 100 ans, les enfants d'aujourd'hui ont en moyenne deux, deux heures de moins de sommeil. Donc, euh, les smartphones, c'est numéro un dans cette épidémie-là. Euh, normalement, un enfant, ça devrait se coucher vers 8-9 heures maximum. Et donc, vers 6-7 heures, ça devrait être la fin de la, euh, du smartphone d'en face. Ils devraient lire des livres après ça, prendre leur bain, faire leur devoir, lire des livres. Le smartphone, ça devrait être zéro. Uh, more than 50% of all children with ADHD diagnosis are actually have a sleep disorder. Donc, en plus, uh, 50% plus des enfants avec un trouble uh, d'hyperactivité, et déficit d'attention euh, sont donc avec des amphétamines quand ils ont un problème de sommeil. Donc, on accentue leur problème. 70% des parents croient que leur sommeil, leurs enfants dorment assez quand. Moins de 25% des enfants dorment assez. Ça, c'est une statistique qui fait mal. Quatrième place, euh, le, le sommeil dans le système de santé. Ça, je le dis souvent, là, on n'a pas un système de santé, on a un système de soins et de pilules. Notre ministère de la Santé et des Services sociaux distribue des subventions, des soins et des pilules. Il ne répond à rien des dénominateurs de la santé. C'est un cauchemar. Par exemple, dans l'éducation des, euh, des médecins, ça, là, ça n'a aucun sens. Les médecins, leur internat, là, ils font des chiffres de fous. Et ça, ça, là, ça remonte à une tradition de la médecine de, du 19e siècle, 1889. William Stewart, de l'université John Hopkins, qui a créé la routine militaire qu'ils doivent faire, ces médecins-là d'aujourd'hui, là. Et là, euh, ce gars-là, c'était un cocaïnoman et un morphine euh, addict aussi à la morphine. Et c'était pour ça qu'il faisait ses routines militaires. -là. Il était capable de faire ça parce qu'il était en privation de sa main tout le temps. Et là, on, fait, on impose ça à tous les nouveaux médecins, à chaque nouvelle génération. Et là, en plus, on a les smartphones et les réseaux sociaux. C'est fou. C'est fou. Complètement fou. Euh... Donc, ça, il faut qu'on redéfinisse ça. Aux États-Unis, il y a juste les premières années qui ont pu ce régime-là. Le reste des, des années, quand, vous faites, quand ils font leur internat, ils continuent le régime militaire. C'est des chiffres de 30 heures et plus, des, euh, des chiffres de garde, euh, des chiffres euh, de jour, de nuit, de, euh, dans la même semaine. Ça n'a aucun sens. Le maximum que vous devriez faire dans santé, là, vous devriez... À, si vous êtes passé 16 heures debout... On devrait vous, ram vous ra ramener à la maison. Vous ne devriez même pas prendre de char rendu là. Euh, 19h 19 de plus réveillé, vous êtes sous. Donc, euh, si vous êtes, si êtes réveillé trois heures avant votre début de votre chiffre et vous venez de faire deux, euh, un double, vous êtes sous en sortant. Euh, donc, ça devrait être 16 heures maximum de travail et vous êtes obligé de dormir 8 heures. Pas opportunité de 8 heures. Peut-être 7 heures de sommeil. Euh, le 8 heures de sommeil total. Là, vous de, vous, on, a, on devrait vous redonner. Vous devriez être dans le lit à dormir avec les ondes de ça pendant 8 heures. Et euh, on aurait en, en, en moyenne 20% moins d'accidents euh, médicaux euh, dans des hôpitaux et tout ça, dans les pratiques. Et selon Matt Walker, ça, euh, les chiffres, ça devrait être le pire chiffre que vous devriez avoir c'est du 12-12. Donc, c'est encore pire que euh, que je viens de dire. Là. Donc, ça, c'est. Euh, reconnu que 16 heures, c'est rendu le maximum que je travailler, mais ça devrait être 12 heures. Moi, j'ai travaillé du 12-12, puis je ne peux pas faire plus que ça. Mon corps est incapable. Quand je fais du 12-12, je, je reviens de l'usine, puis je tombe de sommeil. Je ne suis pas capable de rien faire. Fait que euh, les professionnels de la santé qui font plus que ça, là. Moi, c'est une des raisons pour que je pas retourner là-dedans avec la pandémie parce que je sais que je ne suis pas, pas capable de, 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 de suivre ce, cette économie de sommeil-là. Ce n'est pas faisable. Ce n'est pas... Euh, ça va tout être des personnes qui vont être Alzheimer, crise cardiaque, cancer, euh, diabète dans les prochaines décennies. Toutes ces professionnels de la santé-là, ça va être des épidémies à venir. Dernier chapitre. Chapitre 16, A New Vision for Sleep in the uh, 21, 21st Century. Donc, on peut avoir des euh, impacts sur le, so le sommeil à cinq endroits dans la société, donc chez les individus, en éducation, dans une organisation, euh, dans une politique publique par le gouvernement et finalement de manière sociétale comme, mettons, comme une culture du sommeil. Il euh, faut, d'une manière ou d'une autre, qu'on se pousse à plus dormir en quantité et en qualité. On, on pourrait utiliser les nouvelles technologies pour nous aider. Par exemple, on doit s'attaquer au problème des euh, ampoules LED dans la rue. On doit éviter, euh, ça n'a plus de raison d'être d'avoir des ampoules bleues dans la rue euh, la, la nuit. Ça ne doit plus exister. Et même, moi, j'enlèverais en, même toutes les lumières. Euh, à partir euh, entre minuit et euh, 4 heures, il n'y aurait plus de lumière. Plus de lumière. Parce que euh, ça a un impact sur le rythme sur gardien de tout le monde. Et euh, c'est des liens pour les cancers euh, Alzheimer, tout ça. Là. Euh, donc, aujourd'hui, on a des ampoules intelligentes. On est capable d'avoir des ampoules où on pourrait programmer ça. Donc, il y a un filtre dans l'ampoule qui, graduellement, dans la journée. Change la, euh, change la lumière graduellement euh, du blanc vers le euh, rouge jaune. Et là, je viens de me rappeler que j'ai laissé ma lumière jaune allumée, donc ça va peut-être avoir une petite influence sur le podcast. Là. Euh, oui, c'est ça. Euh, moi, depuis, deux, depuis un mois à peu près, à chaque jour que je travaille, je mets ma lumière blanche pour travailler. Et là, vers 5 heures, je change ma lumière, je mets la lumière jaune euh, pour transiter vers ma nuit. Euh, et là, euh, de plus en plus avant le sommeil, je lâche carrément les écrans et je vais lire un peu plus euh, euh, plus tôt. Euh, donc ça, ça a vraiment un impact ça, de faire tout ça. Vous pourriez aussi avoir un thermostat intelligent qui euh, calibre la température de la pièce pour dormir. Bloquer toutes les lumières dans votre pièce où vous allez un sommeil, pas de gadget euh, technologique dans, vos, dans votre euh, donc pas de smartphone dans votre, euh, dans votre chambre. Vous pouvez vous plugger avec un, un Fitbit pour euh, voir vos statistiques, voir comment vous dormez, si c'était de la bonne qualité de sommeil, si vous êtes souvent réveillé combien de fois par nuit. Souvent en voyant votre, vos propres données à vous, vous allez avoir un, un changement de comportement. Euh, il faut souvent se faire faire face aux problèmes avant d'avoir une réaction. C'est le déni, là. Euh, Dans les hôpitaux, ça a un gros impact qu'on préfère On pourrait, faire. Euh, on pourrait euh, régler bien les problèmes en évitant que les patients soient insomniaques. Parce que moi, j'ai dormi euh, euh, trois semaines en hôpital quand j'étais euh, hospitalisé en 2019. Et c'est simple, là, tu ne peux pas dormir durant ta nuit. Tu es tout le temps en insomnie. Euh, donc c'est l'insomnie empêche la guérison, augmente la douleur et euh, pire que ça, les salles pour les néonataux sont trop illuminées à genre 200 euh, La lumière normale pour vous, là, si vous avez ça dans la salle néonatale, vous empêchez le sommeil à toutes les, les nouveaux nés Fait que si le nouveau-né est là pendant une semaine à l'hôpital, ça veut dire que pendant une, une semaine, le nouveau-né est en insomnie. C'est complètement cinglé. Euh, dans vos euh, entreprises, et là, ça, ça s'en vient. Le grit reset, là, vous allez passer à travers, c'est obligé. Donc, c'est une des raisons que je parle souvent de euh, santé dans mes podcasts. Si vous, êtes, si vous voulez être ahead of the curve, vous voulez voir venir les choses, euh, ça s'en vient. Donc, le Sleep Credit System, ça s'en vient. On va d'une manière ou d'une autre être capable de savoir grossièrement si vous dormez bien, combien d'heures en moyenne vous avez, combien de jours par année vous êtes en insomnie, combien de jours par année vous avez raté votre nuit, combien de... Euh... Donc tout ça, ça va avoir un lien avec votre productivité. Et donc, les entreprises vont vous donner des bonus pour dormir. Ça existe déjà. Ils vont vous donner des euh, bonus de temps de, de congé pour l'année, si vous dormez plus, et vos assureurs vont faire baisser vos primes si vous dormez plus. En même temps, les entreprises doivent euh, avoir des euh, chiffres de travail plus flexibles. Donc, pour les tôt, commencer plus tôt, pour les tard, commencer plus tard, pour les entre les deux, commencer entre les deux, et essayer d'avoir un temps commun entre les trois chiffres pour avoir des réunions de groupe. Finalement, euh, fiscalement, on doit avoir des politiques fiscales euh, qui vont euh, favoriser le statut d'entrepreneur et euh, dans lesquelles on va, on va mettre en valeur les politiques du sommeil. Euh, et finalement, dernière chose, campagne de santé publique, le sommeil important, épidémie de santé publique, euh, pourquoi on doit en parler présentement, euh, la vaccination contre la COVID, c'est très important à parler. Si vous voulez avoir des, des personnes âgées, des personnes à risque qui ont assez de défense d'anticorps sécrétés suite à la vaccination de réponse immunitaire. Donc, si vous voulez avoir une bonne réponse immunitaire, vous devez avoir bien dormi avant et après. Surtout avant. Je vous l'ai dit pourquoi. Euh, si vous vous attrapez, vous attrapez le coronavirus, ben, si vous avez dormi durant la semaine avant, vous avez moins de chances d'être infecté. Donc, euh, vous allez peut-être repousser l'infection carrément. Ou si vous avez une infection asymptom asymptomatique, vous allez probablement avoir moins de, euh, de tout qu ce qui est effet euh, viral, donc transmission, charge virale, euh, tout ça, à cause de votre bon sommeil. Euh, la dernière chose, bon, je parle tout le temps de depuis 2016, depuis que Trump est arrivé au pouvoir. De la régression cognitive et sociale. Et vous le voyez avec moi, après une heure et demie de podcast, euh, j'ai absolument tout passé en revue dans le, dans le cerveau, dans les rêves, dans le corps, de tout. Tout ça, le manque de sommeil, tout ce que ça crée. Là. Mais c'est la régression cognitive et sociale. On l'a. Je veux dire, je, on, je pense qu'on peut expliquer au moins à la moitié. De la variance là, de, de, de l'hystérie des psychoses des gens euh, qui sont prêts à, à se battre pour un vaccin, des autres qui sont euh, qui déshumanisent les non-vaccinés, un autre qui ne sort plus de chez eux. Et tout ça, c'est à cause d'un manque de sommeil chronique dans toute cette population-là, en particulier. Puis c'est pas parce qu'ils ne dorment pas assez. Parce que, comme vous avez vu, si la chose, seule chose qu'ils font avant de dormir 7-8 heures, c'est regarder leur Twitter, regarder leur Facebook, lire les conspirationnistes anti-vax, tout ça, ils se couchent hystériques, de mauvaise humeur, leur, euh, leur amygdale super actif, et là, ils restent dans cet état-là durant tout le début de la nuit, donc ils ruminent, et là, en plus de ça, euh, souvent durant le sommeil, ils vont manquer de sommeil REM parce que c'est en fin de nuit. Et là, ils vont rester dans cet état-là de hyperactivité euh, antisociale. Euh, euh, si t'es pas avec moi, t'es mon ennemi. Là. Et donc, en restant dans cet état-là, en étant incapable, c'est comme s'ils se créaient eux autres mêmes un syndrome de stress post-traumatique. C'est une psychose induite par l'utilisation du smartphone. Des réseaux sociaux et des médias avec une mauvaise hygiène de vie. Une hygiène de vie sédentaire, pas active, en manque de sommeil, mauvaise diète et tout qui fait en sorte de, euh, de diminuer l'espérance de vie et l'espérance de vie sans comorbidité, donc en santé d'une euh, partie vraiment importante de la population. C'est plus de la moitié de la population qui vit ça à chaque semaine. Chaque semaine. Et donc, c'est tout pour cette semaine. Si vous avez aimé mon podcast, si vous aimez mon, mon contenu, si vous voulez me supporter, j'ai besoin de vous. Je n'ai pas de département marketing et ni de chèque de paye. C'est vous. Qui m'a aidé à continuer ce travail-là. La semaine prochaine, je discute de euh, social engineering, la science du hacking des humains. Donc, je vais parler de cybersécurité. Donc, je le redis encore une fois, euh, j'ai ma campagne de financement GoFundMe. Vous pouvez m'envoyer de l'argent sur PayPal, vous pouvez m'envoyer de l'argent en virement Interact yannrojdi yann .com, tout en minuscule. Vous pouvez m'envoyer ça sur ma, ma campagne Facebook. Vous pouvez euh, vous abonner à mon blog sur la plateforme Substack. Euh, le blog à. Ça, c'est la plateforme à Glenn Greenwald. Sur ce blog-là, vous pouvez vous abonner avec 5$ par mois. Ça, ça m'aiderait à. Avoir un flux euh, constant d'argent. Il y a aussi un abonnement 40$ par année. Euh, ou sinon, une fois de temps en temps, m'envoyer un 5, un petit 10$. Là, moi, à chaque fois, ça m'aide à acheter des nouveaux livres, ça m'aide à produire du contenu que vous voulez. Parce que c'est ce que vous avez besoin, ce que les gens ont besoin autour de nous. On n'a plus assez de temps pour tout lire. Vous avez besoin de gens qui vont prendre le temps de tout expliquer. Pendant, prendre le temps prendre une heure prendre deux heures pour expliquer quelque chose de complexe et là aujourd'hui je suis revenu euh, donc à la manière des romains j'ai fait une médecine une diététique une économie du sommeil donc l'importance d'un esprit sain dans un corps sain euh, et donc si on veut euh, dépasser et passer à travers cette révolution culturelle là passer à travers cette pandémie là vous devez faire comme moi et accorder une importance particulière à votre sommeil. Je vous souhaite une bonne semaine. On se revoit. Bonne semaine.